Good morning, Aleïden, les dieux soient aujourd'hui, le Nishmat Avram Chai, Norbert Ben Fortune, Mazalidi, la Batester, Chaya Batotova, Rachamim Ben Rosa, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah avec la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Behorot, Perik Zayin, Mishnah Zayin. Eilu, Kshérin Ba Adam, Upsulin Ba Behema, Oto Ved Beno, Utrefa, Vyotzetofen, Veshenev Da Behena Vera, Veshemit Eta Adam. Anose Nashim Ba Vera, Pasul Achiyadir Anaya, Pour comprendre cette Mishnah qui va venir couronner deux prakim en arrière, on finit aujourd'hui le Perek Zayin donc, eh bien il faut juste rappeler ce qui s'est passé dans Perek Vav, ce qui s'est passé dans Perek Zayin, et comme ça on va comprendre que ça allait venir ajouter la Mishnah Zayin. Perek Vav, on avait évoqué tous les défauts qui invalident chez les animaux pour en faire un korban, d'accord? Le début de l'étude c'était Alléluia, Shochatin et Abéchor, on avait appris dans le Perek Vav, et ça concerne en fait tous les autres corbanotes aussi, toutes sortes de défauts pour lesquels un animal est invalidé et qui ne peut plus monter sur le misbéach. On avait appris s'il a l'oreille incisée, s'il a certains défauts dans les yeux, toutes sortes de défauts dans les pattes, dans plein de choses. Ça, c'était le Perek Vav, on parlait des animaux. Le Perek Zayin a commencé à me parler des Kohanim, en me disant, tu sais, tout ce que je t'ai dit pour les animaux, eh bien, c'est aussi en vigueur pour les hommes, que s'il y a un Kohen qui va avoir un tel défaut, il ne pourra plus faire le service au Beth Amikdash. Et sache que les Kohanim, ils ont encore plus de défauts. Donc on était plus rigoureux face aux hommes qu'aux animaux. La Torah est encore plus limitée. Elle a encore plus défendu, exigé une perfection physique des Kohanim. Eh bien, notre Mishnah vient me dire cette fois-ci, sache que sur certains autres points, on sera plus permissif envers les hommes qu'envers les animaux. C'est-à-dire qu'il y a certains défauts, certaines imperfections qui vont invalider un korban tandis que l'homme sera kasher pour faire la avoda. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Elu ksherin ba'adam. Tels sont les défauts, imperfections qui sont kasher pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas invalider l'homme. Ça ne va pas invalider l'homme. Un kohen, il pourra continuer à faire la avoda bien qu'il ait ce défaut. Tandis que upsulin ba'behema. Tandis qu'ils sont psulin chez les animaux. Et quelles sont ces choses-là? Alors, premièrement, Otoved Beno, un homme et son fils, c'est-à-dire, c'est un peu délicat comment expliquer. Entre parenthèses, j'avais fait un premier chiour, j'avais pas fait attention à ce qu'il avait écrit, je me suis retrouvé, cette phrase, j'ai un peu buté dessus, du coup, j'ai recommencé mon chiour pour bien mieux éclaircir ce qui se passe. C'est quelque chose d'assez original ce qui se passe. Concrètement, littéralement, eh bien, un animal et son fils ne peuvent pas faire un service tous les deux, le même jour. C'est-à-dire que si. Toutefois, j'ai apporté un korban khatat. J'ai apporté une chèvre. Et puis, je veux aussi apporter aussi son petit chevreau aussi en korban shlamim. Eh bien, je ne peux pas faire les deux en même temps. D'accord? C'est écrit explicitement dans la Torah. Shor osé oto ved benon lo tishratu biyom echad. Entre parenthèses, c'est une des parachutes qu'on a lues dans Apessar. Shor okesev oez ki valed. Bref, en tout cas là-bas, on continue le pasuk, et le pasuk me dit Veshor osé oto ved beno l'tishratu beyom echad. D'accord? Un taureau, un mouton, tu pourras pas les égorger le même jour. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le même jour, même si je veux faire une grande mitzvah d'apporter des korbanot, je peux pas le faire avec une mère et son fils, ou un père et son fils, c'est une marque locale sur ça. Tosotchomtov qui parle de ça, on va expliquer ensuite ce qui se passe. En tout cas, donc le même jour, une mère et son fils, je ne peux pas faire la avoda, c'est-à-dire je peux en faire un korban. Eh bien, par contre, un Kohen et son fils, ils peuvent servir le même jour. D'accord? Voilà ce qui est écrit dans le Mishnah. Ce qui est très original, c'est qu'en réalité, on parle de deux choses complètement différentes. Dans Otoven, Beno, dans les animaux, l'interdit, ce n'est pas le fait de faire le service avec une mère et son fils, le problème, c'est de les tuer le même jour. Pour les Kohanim, il n'a jamais été question de sacrifier les Kohanim, donc du coup c'était un peu bizarre la comparaison, mais je vous ai résolu le problème. On vous explique en fait qu'on parle de faire le service, quelque part. Tuer un animal pour en faire un korban, ça s'appelle pas le tuer, ça s'appelle au contraire, faire une belle offrande à Hachem. Et malgré tout, tu offres pas, on ne fait pas une offrande à Hachem, une mère et son fils le même jour, donc pour le Kohanim, eh bien on pourra malgré tout le faire, sans ça qu'il y a une comparaison. D'accord? Deuxième parenthèse, c'est le Tito Sotium Tov, qui rallonge un petit peu sur le sujet, il y a un problème technique. À part ça, c'est que dans Otto Ved Beno, l'interdit d'égorger une mère et son fils, eh bien, pour la halakha, il n'y a pas d'interdit d'égorger le père et le fils. C'est juste la mère et le fils. Et de ce fait, on a un problème, parce qu'avec les Kohanim, tu me parles forcément d'un père et son fils, parce que les femmes, elles ne servent pas au Beth Amikdash. Du coup, le Tito Sotium Tov, il explique qu'on parle, en fait,
selon, il y a un avis dans Khoulin qu'on avait pris, Hanania, qui pense que l'interdit d'autodevenir devait être maintenant, ça concerne aussi le père, donc la chèvre mâle, et le bouc, et son fils, et de ce fait, donc ça va, le chien veut son. On ferme la parenthèse et on avance, on continue à avancer. Deuxième défaut encore, qui est invalide chez les animaux et pas chez les hommes, c'est tréfa. Tous les tréfautes qu'on avait appris dans et l'autre faute dans Khoulin, toutes sortes de défauts, de maladies qui font que l'animal n'est pas viable. Et dans ce cas-là, il est impropre même à la consommation, pas que au corban. Eh bien, malgré tout, un Kohen, s'il a ce défaut, c'est un défaut sur un membre interne, même si le Kohen, à cause de ça, il va mourir prochainement, pour le moment, il peut faire le service au Beit HaMikdash. D'accord ? C'est un tarifa. Ve'yotzedofen, c'est celui qui est né par césarienne. Littéralement, celui qui sort par la paroi, au lieu de sortir, de naître comme tout le monde par en bas, eh bien, il naît par la paroi, on coupe le ventre de la mère et il sort. Un corban comme ça, il est invalidé. Il y a marqué « Shor chesevo ez ki yivaled » lorsqu'il va naître de l'éda normal, d'un vrai accouchement. Tandis que chez les hommes, c'est pas précisé, donc même s'il est né par césarienne, le Kohen est caché pour faire la voda. Bon, alors il y a deux problèmes là. Ça va ensemble. Il y a une marquette. Est-ce qu'il faut le lire dans la Mishnah ou pas? D'abord, je traduis. C'est si c'est un Kohen ou un animal, puisqu'on peut parler d'eux, sur lequel on a fait une Avera. Comprenez de quoi on parle. On parle qu'il y a un rapport d'inceste avec un homme qui est passif. Donc on s'est compris. Et la même chose avec un animal. Si il y a eu un rapport entre un homme et un animal, peu importe par où, eh bien, dans les deux cas de figure. Pour l'animal, il est invalidé pour le misbéach. Il est cachère à la consommation, mais il est impropre pour le misbéach. C'est déduit ça au pasouk de début de Vaikra, là-bas, il y a plusieurs mots. Et mina behema, mina bakar, mina son, tekiwet korban trem. Là-bas, le mina bakar, mina son, Rashi rapporte là-bas, vous verrez dans au tout début de Vaikra, vous verrez là-bas, il y a marqué prat, les toutes sortes de avérotes qui sont en l'occurrence évoquées ici. Shenevda ben Avera, on a fait une Avera, d'accord ? Ovea Nirba, celui qui a été actif ou passif, actif avec une femme, et passif c'est avec un homme. Et Shenevda ben Avera, et donc il a invalidé, Veshehemit et Adam, ou encore celui qui a tué un homme. S'il y a eu un taureau qui a tué un homme, on pourra mieux en faire un corban, même s'il est caché à la consommation, selon le cas, il va être Ayazmita ou non, mais en tout cas, il est invalidé pour le misber. Selon la Mishnah, il s'avère qu'un Kohen qui a été, pas victime malgré lui, mais qu'il a été actif, il a été consentant, dans ces deux choses-là, s'il a tué un homme et qu'il n'y avait pas de témoin, ou encore qu'il a eu une avéra avec un homme, eh bien, dans ces deux cas de figure, la Mishnah donc m'enseigne que le Kohen n'est pas invalidé. Il est kasher à servir. Or, ça, en réalité, c'est une discussion. Ça fait l'objet ici du petit osociotophe qui nous parle. La Gemara qui nous dit clairement, c'est une alakha dans le Shulchan Aruch même, un Kohen qui a tué, même sans faire exprès, eh bien, il n'a plus le droit de faire la Nesiut Kapaim, il ne peut plus bénir le Am Israël. Il y a une d'Aftarot qu'on lit dans les trois semaines, entre 17 Amouz et Tisha B'Av. Il y a des M d'Amim Maléou, il y a marqué comme ça dans le Pasouk. Il nous rapporte ici, Genemar, il y a des M d'Amim Maléou, vos mains sont remplies de sang, comment vous pouvez les étendre sur le Am Israël pour les bénir? Elles sont pleines de clalar, de shalom semana. D'accord? Donc un Kohen qui a tué, c'est une alakha. En l'occurrence, si le Kohen l'a tué, alors il ne peut apparemment plus faire la avoda. Sur ça, le Tosotum Dov, il nous dit, donc il y a un avis qui nous dit qu'il faut supprimer ces deux mots-là. S'il a fait une avéra, ou bien s'il a tué un homme. Tandis que Rabbi Akiva Iger, ici Bet Shaoul, en fait c'est aussi le Mishnah Lamener qui rapporte tout ça, qui pense aussi ça, qui pense en réalité que non. Ils sont invalidés spécialement pour faire la Birkat Kohanim, mais ils ne sont pas invalidés pour faire le service au Beit HaMikdash. D'accord ? Donc, discussion, est-ce qu'il faut le dire dans la Mishnah ou pas ? C'est écrit dans la Mishnah, donc nous, on l'a lu, on l'a traduit et on avance. Autre sujet maintenant. Anose Nashim Ba'avera. Un Kohen, vous savez bien ? On a fini avec les animaux, la comparaison entre les Kohanim et les animaux. Mais si déjà on évoquait les problèmes d'inceste, alors, d'inceste ou de mariage interdit, est-ce que le Kohen il a été invalidé ? Alors la Mishnah continue en prenant deux à la route sur ça, en rapport à ça. Le premier c'est Anose Nashim Ba'avera, celui qui se marie avec une femme, un Kohen qui se marie avec une femme qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Vous savez bien qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée, et ni avec une Zona.
une zona, c'est pas le mot prostituée, comme on traduit en français. C'est quelque chose de plus subtil, c'est quelqu'un qui a fait certaines avérotes d'inceste ou de rapport avec un goy même. Si c'est une femme qui a eu une jeune fille qui a eu un rapport avec un goy, cette jeune fille-là ne peut plus se marier avec un kohen. Elle s'appelle une zona. Elle est devenue halala. Elle a été profanée. Elle ne peut plus se marier. Si elle a eu un rapport dans sa jeunesse avec un juif, c'est pas la fin du monde, c'était très grave, bien sûr, voilà. C'est pas le sujet de notre cours, mais en tout cas, elle n'a pas été méroulélette, elle n'a pas été profanée. Même si c'est une fille d'Israël, toute normale, qui a eu un rapport avec un goy, alors le goy l'a rendue invalidée. Idem encore, si une femme est toute sorte de avérot, en fait, d'inceste, que si toutefois une femme elle a eu un rapport avec ça, alors elle est aussi invalidée. Aussi pour la kéhouna. D'accord ? Et donc maintenant, on parle, ou encore même une femme divorcée. On parle maintenant d'un Kohen qui s'aime. Donc le Kohen n'a pas le droit de se marier. Isha zona vafalala loikach. C'est marqué dans la Torah. Et donc la Mishnah enseigne que celui qui, un Kohen qui s'est marié avec une femme pareille, eh bien, il n'est pas saoulé, il n'a plus le droit de servir au Beit HaMikdash, il est invalidé. Jusque quand ? Alors en théorie, ça aurait juste là qu'il divorce cette femme. Mais même s'il ne la divorce pas pour le moment, mais qu'il a simplement Hatshaya Diranaya, jusqu'à qu'il a été Madiranaya, il a fait le vœu qu'elle ne va plus profiter de lui. C'est-à-dire, on est parti le prendre, la première fois, on lui a dit, mais toi, t'es un Kohen, ça ne te correspond pas à te marier avec une divorcée. Il a accepté notre parole, il a dit, ça y est, je vais la divorcer, ça ne suffit pas. Alors quoi, il faut qu'elle aille tout de suite donner le guet ? Non, ça n'a pas la peine. Ça suffit que tu fasses le vœu, que c'est fini, cette femme-là, elle ne va plus profiter de toi, tu ne vas plus profiter d'elle. Séparation totale, tu as fait le vœu, un vœu. Avec quand on apprendra les chot nedarim, mais certains chemins de sechot nedarim, on comprendra exactement de quoi c'est quoi faire un neder al dat rabim, un neder très fort qu'on ne peut plus annuler. Il a fait le vœu qu'il allait plus profiter de cette femme qui n'allait plus profiter de lui. Alors ça suffit maintenant pour qu'il puisse continuer, pour qu'il puisse avoir la bonne odeur de Mikdash. Encore, autre halakha qui ressemble à ça, c'est amitame la metim. Vous savez qu'un kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur, il n'a pas le droit de partir au cimetière et de se rendre impur, de rentrer en contact avec un mort. Il y a un Kohen qui néglige cet interdit, sur un pur constamment. Il transgresse l'interdit, il est, dans ce cas-là, pas saoul. Ce Kohen-là, il est invalidé. Même si pour le moment il est pur, on dit, t'es pas digne de ta keuna, tu fais pas de service au Beit HaMikdash. Jusque quand ? Ad, chez Kabel, Alav, Shalom, Yehem, Itabel, Abetim. Jusqu'à qu'il nous promette, on le prend à part, on le prend à part, et on lui parle, on lui dit, mais c'est pas ma team, ça ne te correspond pas de faire ça. Jusqu'à qu'il va prendre sur lui que c'est fini. Il refait plus cette avéra-là. Même s'il ne fait pas le vœu cette fois-ci, il va simplement promettre qu'il bel à lave, il a pris sur lui, même sans faire de vœu. Par rapport au précédent, c'était écrit Hachia Diranaya, qu'il fasse un éder. Là, il faut, ça suffit uniquement qu'il prenne sur lui Sheloïa Mitamel Ametim, qui ne va plus partir sans purifier pour les morts. Et déjà, on va accepter donc qu'il serve au Beit HaMikdash. Et c'est tout pour. Techniquement, la différence entre les deux, c'est normal. Partout où il y a plus de Yitzhara, il y a plus de tentations. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin qu'il prenne sur lui de manière beaucoup plus ferme, qu'il fasse un vœu. Donc, c'est pour ça qu'on est plus strict avec la femme interdite, qu'il doit faire un vœu, tandis que là, ça suffit juste qu'il prenne sur lui, qu'il ne va plus recommencer. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la slafa, colto, c'est là.